Salut à toutes et à tous, c'est Joël Gamer. Là, bon, oui, c'est parti pour l'épisode 5. Et ne faites pas les malins, d'accord? Vous le trouvez, vous me le ramenez tout de suite. Alors, allez! Trouvez-le! Les premiers cycles, je te jure. Ils sont insupportables. Mais impossible de diriger une société secrète sans eux. Si jamais tu veux en emprunter un, tu me dis. Tout le monde devrait avoir un larbin, Max. Et pourtant, j'ai survécu sans jusqu'à présent. Tu as perdu quelque chose? Ma patience, principalement. D'accord. Dis, je... Ouais. Badinage, tension sexuelle à peine réprimée, etc., etc. Je suis occupé, Max, une autre fois. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce que Vin leur a demandé de chercher? Et si je pouvais t'aider à retrouver ta patience disparue? Eh ben, je serais plus aussi occupé, n'est-ce pas? Vin a l'air vraiment préoccupé. Il doit beaucoup tenir à l'objet qu'il a perdu. C'est mon écriture. Attends, c'est moi la photographe mystère? Elma! Sa fille m'avait dit que le campus serait magnifique pour les fêtes. Je suis heureuse de pouvoir... C'est comme une exfiltration. Ils ont notre homme et il en sait beaucoup trop. T'attends quelqu'un, Diamond? Moses. Il m'avait demandé de l'aider à rapporter des snacks au labo, mais il a dû oublier. C'est un peu sans intérêt pour une chargée de cours. Donc, tu trouves que mon job est sans intérêt? Non, c'est pas... Je te taquine. Non, quelque chose a dû distraire Moses. Il doit être en train de polir son nouveau télescope. Si tu parlais pas de lui, je t'aurais demandé si c'était un euphémisme. Dis donc, ces gamins d'Abraxas te fixent du regard, non? Celui de gauche, il est à fond sur moi. J'ai dansé avec lui qu'une fois la semaine dernière en boîte. Il est canon. Je comprends. Sûrement, si c'est ton genre. Mais je vise quand même un petit peu plus haut. De toute façon, ils sont en mission pour Vin, là. Je suis sûre qu'ils essaient de me prendre en flag pour comportement non abraxien. Et pourquoi est-ce qu'ils te surveillent ?
Vin est en stress. Je représente une menace pour son règne, et il n'aime pas la concurrence. Je crois que Vin a perdu quelque chose. De toute évidence, ça l'a secoué. Je vais demander à ses sbires. Bonne idée. Ça m'étonne. Dites, comment vous faites pour renouveler votre relation après des décennies d'étreintes? On gèle. J'arrive. Messieurs, pourquoi vous ne vous habillez plus comme ça? Je devrais aller voir ce que trafiquent ces crétins d'Abraxas. Sérieux? Vin a l'air vraiment préoccupé. Il doit beaucoup tenir à l'objet qu'il a perdu. Et vous, Daimon m'a dit que vous la mettiez franchement mal à l'aise à la fixer comme ça. Vous allez me dire ce que Vin cherche, comme ça, je ne lui dirai pas que aller vous voir êtes ce en train que d'affectionner un membre d'Abraxas. Laissez tomber. Il doit bien y avoir un moyen d'écouter ce qu'ils sont en train de dire sans me faire choper. Qu'est-ce que Vin leur a demandé de faire? Daimon fait partie d'Abraxas. Peut-être qu'elle sait ce que Vin cherche. Qu'est-ce que Vin leur a demandé de faire? Vin a l'air vraiment préoccupé. Il doit beaucoup tenir à l'objet qu'il a perdu. Je devrais aller voir ce que trafiquent ces crétins d'Abraxas.
farce d'un étudiant en art ou créature terrifiante. Le mystère reste rien de tel qu'une énigme divertissante pour vous tirer du lit, hein. Vin a l'air vraiment préoccupé. Il doit beaucoup tenir à l'objet qu'il a perdu. Moi aussi. Coucou, maman, est-ce que tu m'entends ? Lucas est général. La vache! Lucas a l'air claqué. Tant pis pour lui. J'ai des questions à lui poser. Il paraît qu'un danger biologique est au cœur de cette affaire. Il est parti pour rester un bon moment au téléphone. Hein. Il est parti pour rester un bon moment au téléphone. Hein.
Je devrais aller voir ce que trafique. On dirait que le Vin de ce monde apprécie avoir un public, lui aussi. Maya Okada. Je me demande qui elle était. Vin a l'air vraiment préoccupé. Il doit beaucoup tenir à l'objet qu'il a perdu. Je devrais aller voir ce que trafiquent ces crétins d'Abraxas. Vin a l'air vraiment préoccupé. Il doit beaucoup tenir à l'objet qu'il a perdu. Je devrais aller voir ce que trafiquent ces crétins d'Abraxas. Vin a l'air vraiment préoccupé. Il doit beaucoup tenir à l'objet qu'il a perdu. On dirait que le Vin de ce monde apprécie avoir un public, lui aussi. Thank you.
Vin ne doit pas encore être rentré. Je sais pas trop comment l'interpréter, mais la maison Dieu ne me dit rien qui vaille. Lucas est généralement à la cafette à cette heure-ci. Il est parti pour rester un bon moment au téléphone.
C'est chiant, ce bruit là. On va chercher sur internet les deux trucs là. C'est même pas sur Google parce que... Sur YouTube, je trouve rien. Déjà, c'est la Cyprène, il faut marquer. Lui, tu peux rien faire déjà. Oui. Il faut te blesser, c'est strange. Je devrais parler de l'autre soir. Non, je sais plus quel c'est, là, c'est strange. Pas inquiété sur le gamin machin, mais je trouve pas. Vache, je pensais pas qu'une cabine téléphonique me ferait l'effet d'une attaque personnelle. C'est bon. Hein? C'est ça? Moi, je suis au chapitre 2. Hein. En chapitre 2, je suis un peu loin. Lucas figurait sur le crâne de vache. Peut-être qu'il sait quelque chose. J'aimerais bien pouvoir déverrouiller les serrures instantanément. Mais en attendant, il faut que je trouve cette clé. J'aimerais bien pouvoir déverrouiller les serrures instantanément. Mais en attendant, il faut que je trouve cette clé. Doit appartenir à quelqu'un de flamboyant.
et d'étourdi et de gelé. Vin ne doit pas encore être rentré. Je sais pas trop comment l'interpréter, mais la... Waouh ! Yasmine a libéré toute sa journée pour le conseil de discipline de Gwen. Aïe. Oh, qu'il est choupi. Je sais pas trop comment l'interpréter, mais ça en fait des réunions annulées. Je me demande si c'est lié au conseil de discipline de Gwen. Ça fait très chic macabre. J'imagine que c'est l'image que Vin veut donner de lui. Oh, qu'il est choupi. Merde, Vin n'a pas l'air d'être là. On dirait que le Vin de ce monde apprécie avoir un public, lui aussi. Je devrais aller voir ce que trafiquent ces crétins d'Abraxas. Dites, comment vous faites pour renouveler votre relation après des décennies d'étreintes passionnées? Daimon fait partie d'Abraxas. Peut-être qu'elle sait... Qu'est-ce que Vin leur a demandé de faire? Vin a l'air vraiment préoccupé. Il doit beaucoup tenir à l'objet qu'il a perdu. Ça va m'aider à me repérer un peu.
Cette personne est sur un terrain glissant. Et je dis pas ça au sens figuré, étonnamment. Cette personne est sur un terrain glissant. Et je dis pas ça au sens figuré, étonnamment. Je devrais aller voir ce que trafique. C'est la carte d'une psy. Ça pourrait être utile à certaines personnes de l'autre côté. Je vais t'appeler Pauline. Est-ce qu'on t'a arrosée récemment, Pauline ? Ça pousse bien, Pauline ? Je crois pas que ça faisait partie de la vision de l'artiste. Retour à la normale. Les premiers cycles tiennent pas en place. C'est agréable. Et pas même un merci, pas cool. Dignité rendue. Dommage que t'aies vécu dans les années 60, Gretsch. On aurait pu se défoncer ensemble. Mais bon, je te jette pas la pierre. Elle va finir par user le portrait de Yasmine à force de le fixer. Mais pourquoi ?
Il est parti pour rester un bon moment au téléphone. Il paraît qu'un danger biologique est au cœur de cette affaire. Un soir, alors que je... Le nom de Lucas figurait sur... Si j'étais Lucas, qu'est-ce qui attirerait mon attention ? La couverture est superbe, non ? Ça explique pourquoi le crâne de vache portait sa signature. Ouais, on peut dire que c'est marquant. Désormais, dès que je verrai un crâne de vache, je penserai à Lucas Colmenero. Tu peux prendre celui-ci si tu veux. Il est déjà signé. Si Lucas a vraiment quelque chose à voir là-dedans, ça pourra me servir. Si j'étais Lucas, qu'est-ce qui attirerait mon attention ? Je parie que Lucas aurait le seum s'il arrivait quelque chose à sa silhouette. Alors, qu'est-ce qui me permettrait de faire des dégâts permanents ? Je laisse s'exprimer la Chloé au fond de moi. Si j'étais Lucas, qu'est-ce qui attirerait mon attention ? Lucas est généralement à la cafette à cette heure-ci. J'aimerais bien pouvoir déverrouiller les serrures instantanément. Mais en attendant, il faut que je trouve cette clé. Ces annotations sont top. Rien d'étonnant à ce que ces cours soient toujours pleins. Il est parti pour rester un bon moment au téléphone. Alors... Comment est-ce que je vais le faire criser exactement ? C'est pas pour rien qu'on appelle ça un classique. Oh la vache ! Qui oserait faire une chose pareille ? Faut immédiatement que quelqu'un prévienne Lucas. Le diable est vraiment dans les détails. La revoilà. Tu as bien apporté ton
truc à Moses, donc. Mon truc ? Oh oui, mon truc. Oui, oui, truc à porter. Je suis désolée de te l'apprendre, mais... Quelqu'un a dessiné des cornes et une queue sur ta silhouette en carton de l'expo. C'est une blague. Je viens à peine de... Oh, merde. Certaines personnes n'ont aucun respect pour la propriété d'autrui. Allez, pars, fous du marqueur. Allez, Lucas. Voyons si c'est toi qui as bousillé le pare-brise de sa fille. Eh oui, c'est pas toi, Lucas. Sérieux. Lucas n'était pas aussi inutile de fouiller les affaires de Lucas maintenant. Il était avec son agent. Même si ça me ferait plaisir. Il n'a pas pu vandaliser. Lucas allait aux alcooliques anonymes. C'est bien. Alors voilà comment les people littéraires passent leur soirée. Ce Lucas n'a pas dû avoir le temps de le mettre en place. Son agent lui dit où se garer. Et que fait Lucas Colmenero ? Il se gare où il veut. Encore ce putain de crâne de vache. Mais qui l'a lancé ? Lucas est allé à un stand de tir ? Est-ce qu'il possède une arme à feu ? Alors voilà comment les people littéraires passent leur soirée. Alors voilà comment les people littéraires passent leur soirée. Eh oui, c'est pas toi, Lucas. Sérieux. Lucas n'était pas au Snapping Turtle hier soir. Inutile de fouiller les affaires de Lucas maintenant. Même si ça me ferait plaisir. Sa fille ? Lucas veut vraiment demander une mesure d'éloignement à l'encontre de sa fille ? Elle doit pas être au courant. Il faudrait que je lui montre. Max ? Qu'est-ce que tu... Lucas, c'est pas ce que tu... Ne lui en parle pas. Hein ? Tu ne peux pas envoyer cette photo à sa fille. Je peux t'expliquer. S'il te plaît. Catherine, mon ex-femme m'a appelé hier soir, folle de rage. Parce que Robbie, notre fils, lui a répété des choses que je lui aurais soi-disant racontées. Mais jamais... Jamais je n'aurais pu... Robbie a dit que je lui avais parlé de... Ça me donne envie de germer. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu les inventer ? Pour attirer l'attention, par exemple ? Non. Non. Même si c'était son genre, ces conneries-là, c'est... C'est... Comment un gamin pourrait avoir des idées pareilles ? Selon lui, je lui aurais dit qu'il était la raison de notre divorce. Et crois-le ou non, mais c'était le truc le moins dégueulasse que je suis censé lui avoir dit. Ça n'explique toujours pas la mesure d'éloignement. Max, je n'étais même pas avec lui ce soir-là. Mais quelqu'un a bien dit ses horreurs à mon fils. Et tu crois que c'était sa fille ? Écoute. Sa fille a menacé de monter Robbie contre moi. Je sais qu'elle en est capable.
Mais Robbie n'a pas dit que c'était sa fille. Il a dit que c'était toi. Je n'ai pas encore trouvé d'explication à ça. Il n'a peut-être pas exactement dit ça, je n'en sais rien. Catherine ne me laisse pas lui parler. Et rien de tout ça n'est lié à ce qui est arrivé à la voiture de sa fille? Qu'est-ce qui est arrivé à sa voiture? Laisse tomber. Oublie ça. Max. Je sais que c'est ton ami. Et je sais que tu n'as aucune raison de me croire plutôt qu'elle, mais... Laisse-moi une chance de pouvoir démêler tout ce bordel. Sans qu'elle intervienne. Je veux être sûr que mon fils n'aura plus jamais à entendre des choses pareilles. C'est peut-être qu'un mensonge. Une campagne de diffamation contre sa fille. Mais... Si c'est pas le cas... T'as raison. J'ai aucune raison de te croire plutôt qu'elle. Tu as beau le prétendre, tu n'es pas quelqu'un de bien, Caulfield. Vous vous méritez bien, sa fille et toi. Je crois que j'ai assez essoré Lucas pour aujourd'hui. On se retrouvera pour le prochain épisode. Si je ne me trompe pas, par contre, on a eu un peu de difficulté au départ de trouver jusqu'à maintenant. Enfin, j'espère faire mieux dans le prochain. Tout va bien, chef. Dans la cour nord, rien de nouveau. Stop les références de cinéma. Ouais, c'est vrai que vous... Bordel de merde. Et moi qui croyais avoir tout vu. Ah enfin, c'est pas trop. Tôt, j'ai cru que j'allais geler sur place. Quand je me suis réveillée, sa fille nous avait quittés. Et maintenant, je nage dans...